Meghan et Harry annulent leur voyage à Amiens, la duchesse éprouvée après la crise avec son père, alors qu'il devait aujourd'hui se rendre à Amiens pour commémorer le centenaire de la bataille d'Amiens. Meghan Markle et le prince Harry sont finalement retranchés au château de Balmoral en Écosse, résidence d'été de la famille royale. Les fans français se faisaient une joie d'avoir l'opportunité de les apercevoir. Meghan Markle et le prince Harry devaient en effet se rendre aujourd'hui à Amiens, en Picardie, pour la commémoration du centenaire de la bataille d'Amiens en compagnie de la première ministre Theresa May, mais leur venue a été annulée au dernier moment. Jointe par le magazine Closer, la mairie d'Amiens affirme ne pas avoir eu plus d'explications, ce n'est pas nous qui organisons la commémoration. C'est la couronne britannique qui s'occupe de tout directement. Nous ne savons pas pourquoi Meghan Markle et le prince Harry ne viennent pas. Initialement, ils devaient venir mais la couronne a annulé leur venue. Nous n'en connaissons pas les raisons. Après l'anniversaire de Meghan Markle ce week-end, le couple s'est rendu au château de Balmoral en Écosse, où la famille royale d'Angleterre prend régulièrement ses vacances. Se pourrait-il que les récents différends avec son père aient fatigué la duchesse du Sussex? Pour l'instant, après des mois de brouille au silence pesant entre Meghan et son père Thomas, l'heure ne semble toujours pas à la réconciliation heureuse à en croire la demi-sœur de la duchesse. Crédit photo, Bagrid UK, Bestimed. Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail. Recevoir, veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Meghan Markle.